Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo unboxing et cette fois-ci on va unboxer un petit colis qui nous vient de chez Pix & Love. Donc dans ce colis il y a deux jeux, mais on va faire une vidéo par jeu. Je vais pas vous montrer les deux dans cette vidéo. Yep. On va ouvrir ça fait un petit moment, ça fait plusieurs semaines que je les ai, mais avec le boulot, la fatigue et tout, et puis d'autres vidéos enregistrées, les unboxings et tout, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai plus fait. Et ici donc vous allez découvrir cette petite pépite, celui-ci je suis super content de le rentrer. Donc il s'agit bien évidemment, vous l'avez reconnu, du Metal Slug Anthology, donc de chez Pix & Love, et qui, vous allez le voir, est plus complet que la version de chez Limited Run. Voilà, toujours emballé dans un bon plastique. On va essayer de défaire ça sans l'abîmer. Parce qu'après, je le remets dedans pour éviter que la boîte prenne la poussière. Voilà, voilà. Alors, toujours une magnifique boîte. Façon big box, donc de la Neo Geo, vraiment très bonne qualité, très solide, avec le petit seau Neo Geo que je vais retirer mais que je vais remettre à l'intérieur par après. Yep. Voilà, et je vais le coller ici pour pas le perdre. Quand on est collectionneur, rien que les petits seaux comme ça, ça fait toujours plaisir et on aime bien tout garder. Voilà, voilà, comme ça il est bien placé. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Quand on l'ouvre, voici comment vous découvrez le bazar. Yep. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que dans cette version, il y a donc les Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4. Metal Slug 5 et Metal Slug 6, mais c'est pas tout, vous allez voir. Donc on a un petit CD, enfin deux petits CD soundtrack comme d'habitude. Bon, le seul truc que je n'aime pas, c'est de la façon dont ils sont rangés dans un petit carton. C'est le seul truc que je leur reproche, ils auraient dû faire un truc un peu plus qualitatif, un peu plus solide, parce que les CD ne tiennent vraiment pas bien là-dedans. Une fois que tu les retires, c'est pas évident de les remettre sans abîmer le carton. Il faut vraiment être très précautionneux une fois qu'on les a utilisés pour les remettre. Sinon, voilà, c'est bien présenté et tout. Mais je trouve que le petit truc au milieu, ils auraient dû mettre autre chose que ces petits mousses qui sont pas pratiques du tout. Enfin, c'est mon avis. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des jeux de chez Pix & Love. Sinon, les petits artworks sur... sur les CD sont pas mal, sont vraiment sympas. Donc en tout on a deux fois, il y a une fois 12 pistes sur le premier disque, et sur le disque 2 on a 14 pistes. Voilà, je vous la montre comme ça, vous savez peut-être lire si vous faites pause. Yep. Alors on a ici le jeu, enfin les jeux, avec la petite cale au-dessus, une petite cale en carton comme à leur habitude, avec le titre, donc Metal Slug Get Ready to Slug It Out, et à l'arrière donc le logo Metal Slug SNK Pix & Love. Bon, c'est un petit détail, mais franchement c'est sympa, ça permet de garder les jeux ou le jeu parfaitement bien dans la boîte. Donc on a ici le Metal Slug Anthology avec le 1, 2, le X, le 3, 4, 5 et 6. Yep. Mais en plus de ça, par rapport à la version de chez Limited Run, vous avez le Metal Slug Double X. Donc franchement, excellent. Donc avec la boîte en français. Les deux boîtes en français, franchement ça fait super plaisir. Get ready to slug it out. Préparez-vous à leur taper dessus. Donc franchement excellent. On va ouvrir ça. Parce qu'évidemment je ne vais pas les laisser sous blister. Je vais prendre peut-être le cutter, j'aurai plus facile.
Voilà, voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Avec un petit fascicule, pas à la gnoule, parce qu'il y a quand même le dessin sur l'avant. Sinon, à l'intérieur, c'est toutes les précautions d'usage. C'est le fascicule à la gnoule, mais pas à la gnoule. Quand même un petit artwork assez sympa. Donc voilà, ils font des efforts sur les fascicules à la gnoule. À l'intérieur du boîtier, on a également un magnifique artwork qui est vraiment sympa. Yep, je vous le montre comme ceci. Et je vais vous le montrer également comme ça. Voilà, franchement, ça fait plaisir quand on a des petits artworks à l'intérieur des covers, ou quand on a des covers réversibles et tout. C'est vraiment chouette. Donc on remet le petit fascicule, le Blu-ray du jeu, enfin des jeux. Et on va ouvrir le second. Yep. Ça fait un petit moment que j'en ai plus acheté des compiles Neo Geo comme ça chez Limited Run. Mais comme vous le savez, je suis en train de mettre de côté pour me faire mon gros PC gaming. Donc voilà, il faut faire des choix. Malheureusement. Donc ici, on a également la cover en français à l'arrière, enfin en anglais et en français. Expérience Metal Slug like never before. Découvrez Metal Slug comme jamais auparavant. Yup. Donc voilà, comme je disais, ben, je vais faire mon PC gaming. Donc j'achète forcément moins de jeux. Enfin, en même temps, je dis ça, j'ai quand même craqué. On a le petit fascicule, pas la gnoule. Totalement. Ça fait plaisir au moins d'avoir un petit artwork sur ces petits fascicules là. On a l'impression quand on ouvre la boîte d'avoir un manuel, alors que non, il n'y en a pas. Mais l'artwork à l'intérieur de la cover est vraiment super sympa. Regardez-moi ça comme il est beau. Je vais vous le montrer comme ça également. Il est vraiment chouette. Que j'aurais voulu acheter la compile avec les Windjammers qui était sortie également, mais elle était un peu plus chère. Mais bon, voilà, c'est quand même encore une bonne centaine d'euros. Il y a un autre, je sais plus le titre, qui était sorti également, que j'aurais voulu prendre et que je n'ai pas pris non plus, que j'offrais à acheter. D'ailleurs, j'ai fait un petit coucou. Il y a encore pas mal de trucs dedans. On a des petites cartes assez sympa. Il y en a 4 en tout. Ah, elles sont double face en plus. Vraiment très jolies. Elles sont vraiment sympas. C'est vraiment chouette, c'est vraiment cool, des petits goodies comme ça. En plus, elles ont un aspect, on dirait pas que c'est du papier, du carton, c'est un petit aspect brillant, enfin pas brillant, mais comme du plastique et tout. C'est vraiment du papier de qualité. Voilà, très joli. Je fais un petit coucou également à Khaled Winiman qui a certainement aussi, je pense qu'il l'avait acheté aussi, parce qu'il aime bien les jeux Neo Geo et les pièces de chez Pix & Loaf. On a également un petit artbook
en carton rigide. Yep. Metal Slug 25e anniversaire, Pix and Love Games. Tu veux venir m'appuyer? Mais après, parce que j'ai mis des trucs sur le divan, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est franchement bien fait. Et alors, je pense pas par contre que ça soit. Ah si, c'est en anglais et en français. Donc franchement, mais ça c'est souvent le cas, c'est vrai. Chez Pix & Love, ils prennent soin de faire des trucs vraiment de qualité. Donc avec l'histoire de la Neo Geo, de Metal Slug, ça retrace un peu l'histoire du jeu, de la série. Qui est vraiment excellente. J'en bafouille. Yep. Des artworks assez sympas. Je vais pas tout vous montrer, mais franchement, il y a des petits croquis également qui avaient été faits des éditeurs, notamment ici. Sur les différents designs du logo, des logos. C'est vraiment chouette d'avoir des trucs comme ça parce qu'on en apprend un peu plus sur l'histoire du jeu. C'est vraiment excellent. Je sais plus combien je l'avais payé, ça date, ça aux alentours d'une centaine d'euros à chaque fois pour les jeux. Elles sont vraiment. C'est vraiment du très bon boulot, cet artbook. Je vous montre pas tout, hein. Je vous laisse également la surprise si vous l'achetez par après. De découvrir également, vous n'aurez pas tout vu comme ça. Donc, on a chaque fois, sur chaque Metal Slug, on a quelques trucs assez sympas. Donc ici c'est sur le 2, on a aussi les logos, le design du logo. C'est franchement waouh. Je suis scotché, c'est excellent. Les véhicules. Metal Slug X. L'année de sortie. Sortie sur MVS Arcade. Du très bon boulot, franchement. J'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. J'espère que je pourrai me rattraper aussi sur mon retard sur leur collection. Parce que j'aimerais bien avoir celui que j'adorerais avoir, c'est le Garou Mark of the Wolf, que je n'ai pas, malheureusement. Et maintenant, pour le choper, il faut compter entre 100 et 120 euros. Enfin, c'est à peu près le prix qu'il coûtait, hein, je pense. Mais t'en as. Quand tu arrives à trouver à 100, 120 euros, tu as de la chance. Enfin, même 100 euros, c'est rare. 120 euros, 130 euros, je le vois régulièrement, des fois même plus. Mais bon, à chaque fois, il faut rajouter des frais de port, etc. Donc. Mais bon, celui-là, je me le prendrai dès que je sais. Je vais attendre quelques mois, puis je le prendrai. Puis après, j'essaierai d'avoir le Windjammer, si c'est encore dispo. Etc. Pour avoir. La collection complète, mais j'espère qu'ils vont en sortir encore pas mal. J'aimerais bien qu'ils sortent la compil Art of Fighting qui était sortie chez Limited Run, mais pas encore chez Pix & Love, je pense. Donc ça j'adorerais la compil Art of Fighting. Voilà. Et à la fin de l'artbook, franchement excellent, le petit. Regardez, mission complete, ça c'est vraiment le petit détail, mais vraiment super sympa et magnifique. Excellent. Donc voilà, et la boîte évidemment du très solide, très bonne qualité avec le logo SNK à l'intérieur. C'est que du bonheur, franchement. Voilà, on va ranger tout ça. Les petites cartes, les jeux. Une fois qu'on a mis les jeux, on met la petite cale. Et ça bloque bien tout. Franchement, c'est nickel.
Voilà, les amis. Donc, ce qui conclut cette petite vidéo unboxing donc du Metal Slug Anthology, mais de chez Pix and Love, qui est donc l'édition la plus complète. Une très très belle édition, franchement. Super content de l'avoir rentré dans la collection. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, ne fût-ce qu'un petit coucou, ça fait toujours super plaisir et je vous réponds. Dites-moi si vous savez, si vous y connaissez mieux que moi, si vous savez tous les opus de jeux Neo Geo qui sont déjà sortis chez Pix and Love. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ceux qui sont déjà sortis. Et si vous avez des infos sur les futures sorties, n'hésitez pas à me le dire également parce que ça m'intéresse. J'adorerais franchement avoir toute la collection, même si pour le moment je dois un peu freiner mes achats. Donc voilà, comme je disais, j'ai commandé chez... J'aime plus commander chez eux, mais bon, celui-là, j'étais obligé vu qu'il n'y en a pas ailleurs. Le Tortue Ninja Shredder's Revenge, mais en édition Super Collector avec la mini borne d'arcade qui fait des sons et qui a des images également. Le steelbook et tout ça, tous les goodies. Franchement, cette édition-là, elle était excellente. Donc celle-là, je l'ai préco. C'est quand même 250 euros. Je voulais pas l'acheter parce que je me dis c'est cher, mais franchement, c'est le steelbook et la petite borne, la mini borne d'arcade qui m'ont décidé à la prendre. Et je me dis, si je ne la prends pas et qu'après, ben, je dois attendre de l'acheter sur Internet, ça va me coûter 100 ou 200 euros de plus. Donc je me dis, non, ça sera pas possible. Je ne voudrais pas. De toute façon, je ne vais pas aller enrichir les spéculateurs. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, c'est un petit sacrifice, entre guillemets. Mais je vais le commander. Donc ça, je l'ai préco. Normalement, je l'aurai en septembre. Donc voilà. Et sinon, chez Pix and Love, j'aimerais bien acheter les autres pour compléter ma collection. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment pour la suivante sur l'autre jeu que j'ai acheté chez Pix and Love. Je vais enregistrer la vidéo directement après celle-ci. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien. Ciao, ciao!